Aujourd'hui est un grand jour. Les membres de la PIBI se sont réunis après 2 ans de Covid. On a enfin pu nous retrouver et avoir des échanges ensemble. On a pris le ftor ramadanesque entre nous. Et on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des challenges du secteur et de la PIBI. Nous avons parlé des opportunités du secteur et de la PIBI. Nous avons parlé de l'histoire de la PIBI et de ce qu'elle a réalisé avec ses membres. On a eu un certain nombre de présidents qui étaient là pour témoigner de ce qui a été fait. On a parlé de la période récente de la PIBI avec tout le travail qui a été fait. Et puis on a essayé de nous projeter. L'objectif pour nous, c'était de nous réunir, de nous retrouver, d'avoir un échange franc et un échange sincère, mais surtout un échange qui nous projette demain sur qu'est-ce que va être la PIBI de demain. Et je pense que les membres ont beaucoup apprécié, en particulier moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir de retrouver beaucoup d'amis et d'échanger avec eux. Ravi d'avoir participé à ce ftor organisé par la PIBI. Une nouvelle ère commence pour la PIBI. Une PIBI unie, solidaire, une PIBI forte et de belles surprises qui s'annoncent pour les prochains mois, pour cette Fédération des technologies de l'information. Je suis très ravi d'être aujourd'hui dans ce ftor de la PIBI. On a eu un très bel échange autour de toutes les belles réalisations qui ont été faites. On a parlé des opportunités et challenges auxquels la PIBI elle est confrontée et toutes les possibilités d'évolution de la PIBI pour renforcer la présence dans l'écosystème IT et donner un grand élan au digital au niveau du Maroc. On en a profité aussi pour revenir sur Morocotech et comment on va, à travers toutes les actions de la PIBI, renforcer on va dire ce message-là et réellement repositionner le Maroc sur ce chemin et cette voie vers le digital. Et comme on le sait très bien, le digital, c'est le nerf de la guerre de toute économie. On prévoit que d'ici 2025, 24% du PIB mondial serait porté par l'économie digitale et le Maroc souhaite s'inscrire dedans et on a tout le potentiel pour le faire.